Bonjour à tous, merci d'être toujours aussi nombreux et présents sur nos webinaires ABC dans Live. Je voudrais vraiment vous remercier encore pour votre participation. Déjà avec Philippe Cagatte, on était très heureux que vous soyez autant. On avait dépassé les 3 300 personnes sur nos lives, sur nos différents réseaux, sur Facebook, sur YouTube, sur Vimeo. Aujourd'hui, je reçois Olivier de Monc-d'Uzère, et qui va nous parler aujourd'hui d'un sujet qui m'est très cher d'ailleurs, personnellement, c'est reconstruction tissulaire en implantologie, anticipée dès l'extraction. Juste avant de démarrer, je souhaitais rappeler que jeudi, nous avons un webinaire également avec Romain de Papé, orthodontiste à Strasbourg, qui va nous parler de l'occlusion dynamique pour mieux comprendre les malocclusions. Et ce qui va vraiment être très très intéressant, c'est qu'il sera accompagné de Julien Cam, qui est kinésithérapeute. Ça va vraiment être passionnant. Olivier de Monc-d'Uzère, merci d'être là. Tu es titulaire d'un diplôme universitaire de parodontologie clinique et d'implantologie de Paris 7. Et tu as une activité spécialisée en parodontologie et chirurgie implantaire depuis une quinzaine d'années. Tu exerces en cabinet privé sur Bordeaux et sur Saint-Jean-de-Luz. Tu es membre fondateur avec Benoît Brocherie et Philippe Rozek, que je salue, de l'organisation Santé Paro Implant, qui est une société scientifique qui organise un séminaire annuel où tu invites des conférenciers nationaux et internationaux. Bonjour Olivier. Salut à toi, salut Jérôme. Merci pour cette introduction et merci à tous pour votre présence. Je remercie Jérôme pour m'accueillir effectivement sur cette belle plateforme qui est ABC Dents, où il y a déjà eu pas mal de magnifiques webinars parmi tous ceux qu'on a pu regarder jusqu'à présent. C'est au moins un point positif pendant cette période de confinement, c'est que on a réalisé en l'espace de quelques mois, l'équivalent de je ne sais pas combien de congrès, et c'est tout à fait positif. Il faut bien trouver des points positifs et c'en est un. Alors, le thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est effectivement l'anticipation des reconstructions tissulaires en implantologie dès la phase d'extraction. C'est un thème que j'avais abordé il y a près de 2 semaines, mais de façon plus restreinte avec 3 confrères, Aurélien Tolo, Gaël Millot et Mathias Resnick, avec qui on avait fait un webinaire sur les reconstructions osseuses préimplantaires. Et là, sur ce format-là, je vais pouvoir, puisque j'avais fait une présentation qui était de l'ordre de 20 minutes, m'étendre un petit peu plus sur le sujet et rentrer un petit peu plus dans les détails. Alors, avant de commencer cette présentation, je vais juste faire quelques petits rappels qui me sont chers pour évoquer globalement quels sont les critères essentiels aujourd'hui à prendre en compte dans l'implantologie contemporaine, l'implantologie de nos jours. Auparavant, c'était essentiellement des critères de survie implantaire qui étaient de mise. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a beaucoup plus de paramètres qui sont à prendre en compte. Et l'élément primordial et primaire en tant que parodontiste, ce sera tout d'abord la santé parodontale et périimplantaire. Et bien entendu, notre traitement implantaire devra être réalisé dans le cadre d'un plan de traitement global où les maladies parodontales, bien entendu, devront être diagnostiquées et traitées au préalable. Et nous devrons également adapter notre traitement à chaque patient en fonction des risques, en fonction des facteurs de risque présents, notamment par rapport au tabac, par rapport aux maladies parodontales et autres. Et également permettre une certaine pérennité de nos résultats en continuant à voir nos patients régulièrement dans le cadre de ce qu'on appelle des thérapeutiques parodontales de soutien, donc faire des séances de maintenance régulière et permettre aux patients d'avoir toujours une bonne compliance de façon à prévenir le plus possible, diagnostiquer et traiter les maladies périimplantaires si elles arrivent. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de webinars très intéressants, notamment sur ABC Dents ces derniers jours sur les périimplantites, et ce sont des choses qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui, donc il faut mettre tout de notre côté pour les éviter. Le deuxième critère essentiel lorsqu'on parle d'implantologie aujourd'hui, c'est un critère environnemental, c'est-à-dire qu'on aura besoin d'avoir une certaine qualité et quantité de tissu dur et de tissu mou. Et on va évoquer certaines choses aujourd'hui,
Et lorsque ce sera effectivement nécessaire, il faudra réaliser les augmentations qui s'imposent de façon à obtenir un environnement périimplantaire qui soit de qualité. L'autre élément absolument primordial, c'est le critère de positionnement implantaire. Alors, tous ces éléments-là, je les passe les uns après les autres de façon rapide. Ils pourraient faire l'objet chacun de plusieurs webinaires. Hein. Donc, j'évoque tout ça de façon globale, mais je tiens à le faire parce que ça recentre un petit peu les choses globalement. Et lorsqu'on parle de positionnement implantaire, il faut positionner nos implants par rapport à des critères chirurgicaux qui sont connus aujourd'hui et par rapport à un plan de traitement prédéterminé au niveau prothétique. Aujourd'hui, le flux numérique peut nous aider à cela en nous aidant à poser nos implants par rapport à un projet qui sera bien déterminé. Et c'est absolument primordial. Les implants ne sont que la fondation de la reconstruction que l'on fait dessus. Et pour des raisons de santé, pour des raisons d'esthétique et pour des raisons de fonction, leur placement doit être approprié. Enfin, dernier critère par rapport au choix de l'implant et à la restauration prothétique. Là, pareil, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais aujourd'hui, on essaiera, et ça fait déjà maintenant depuis que j'ai commencé l'implantologie, je pense que les restaurations transvissées sont des éléments qui sont aujourd'hui absolument plus approuvés au niveau de leur qualité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment partir sur des restaurations qui sont transvissées. Et pour ce qui est de la prothèse également, tout un travail au niveau des profils d'émergence doit être réalisé de façon à obtenir des résultats qui sont à la fois esthétiques, des restaurations qui sont facilement nettoyables et permettre une pérennité des résultats. Il y a eu là encore pas mal de webinars sur les profils d'émergence. Je pense au webinar de Gary Finel sur le SSA ou au webinar extrêmement intéressant de Philippe Thiobel qui est un éminent prothésiste et j'ai eu beaucoup de plaisir à le voir sur les profils d'émergence. Donc, tout ce petit résumé pour dire que ces éléments mis bout à bout permettent de nous donner un maximum de chances d'avoir un succès sur le long terme en termes de santé, d'esthétique et de fonction. Aujourd'hui, on ne va pas pouvoir évoquer tout ça, on va évoquer une petite partie de ce qui est, de ce qui concerne les augmentations osseuses et les augmentations de tissu. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, lorsque l'on parle de reconstruction osseuse préimplantaire, on parle la plupart du temps de reconstruction osseuse sur des sites qui sont cicatrisés. On a ici un petit florilège de régénération osseuse guidée que j'ai réalisé là, cette année, enfin, dans les 6 derniers mois. On voit des reconstructions horizontales et verticales. Et ces techniques fonctionnent très bien. On arrive à, lorsqu'elles sont menées correctement et que tout se passe bien, à des résultats qui sont tout à fait satisfaisants et qui nous permettent de placer ensuite nos implants dans de bonnes conditions. Et pour que ces techniques fonctionnent correctement, il va être très important de suivre des grands principes à la lettre, de façon à ce que les choses se passent bien. Wang, dans sa publication de 2006, nous a décrit le PAS, ce sont les 4 points très importants lorsque l'on parle de régénération osseuse, et ces 4 points peuvent être aussi bien appliqués aux reconstructions osseuses par de la régénération osseuse guidée, comme j'ai montré, mais également par des techniques bicorticales, par exemple les techniques de Coury ou d'autres techniques osseuses de reconstruction osseuse, parce que ce sont des éléments qui permettent, par une fermeture primaire du site à régénérer de la fin de l'intervention jusqu'à la réouverture, par l'angiogénèse, par un maintien de l'espace qui doit être stable pendant tout le temps de la régénération et par une stabilité de la greffe osseuse, tous ces éléments ensemble permettent d'obtenir un résultat qui est bon, quelle que soit la technique qui sera à réaliser. Donc, lorsqu'on parle du PAS, l'un des éléments clés pour arriver à un bon résultat, c'est la libération tissulaire. Cette libération tissulaire permet d'obtenir des fermetures primaires qui sont totalement passives à la fin de l'intervention et d'éviter des réouvertures lors de la phase de cicatrisation et puis ensuite lors de la cicatrisation. On a ici 2 exemples où on voit que les sutures ont été faites avec
des sutures de, avec des points de 6-0. C'est des prolènes 6-0 qui montrent que lorsque l'on fait des reconstructions, on peut obtenir une passivité totale, parce que si on essaye de trop serrer avec ce genre de fil, ça casse. Et là, c'est vraiment berge à berge que l'on vient positionner les lambeaux de façon à ce qu'il n'y ait aucune tension. Et c'est ça qui va garantir après, enfin, c'est l'un des éléments qui va garantir le succès du résultat. Par contre, lorsque l'on regarde les cicatrisations après ce type de libération tissulaire, on se retrouve certes avec en blanc ici un volume osseux qui est tout à fait conséquent si la reconstruction se fait sans aucune problématique, mais on a une perte de qualité de gencive attachée kératinisée en vestibulaire, et on se retrouve parfois avec des pertes de vestibule ou avec juste un tout petit manchon de gencive kératinisée au niveau du site reconstruit, ce qui peut poser problème. Donc ça, c'est vraiment une conséquence de ces libérations qui permettent d'obtenir un bon résultat en dessous. Et lorsque l'on regarde un petit peu la littérature, on sait aujourd'hui, ce n'est plus à prouver, que une qualité, un volume tissulaire à la fois en hauteur et en épaisseur est un point clé de la stabilité osseuse périimplantaire. Donc ça, c'est aujourd'hui, on ne le présente plus, c'est les travaux qu'avait réalisé Mickiewiczus et son équipe. Et quand on regarde un petit peu les revues littérature et les méta-analyses récentes sur l'augmentation tissulaire de ce qu'elle peut apporter, on a ici cette revue littérature de Cairo de 2019 qui conclut que les techniques d'augmentation de tissu mou améliorent la qualité et la quantité des tissus périimplantaires et que les greffes autologues présentent les résultats les meilleurs si on les compare aux matériaux de substitution tissulaire. Donc, lorsqu'on est dans des situations où on a un déficit tissulaire, il ne faudra pas hésiter à reconstruire de façon à avoir une qualité de tissu périimplantaire qui soit bonne. Et si l'on regarde cette autre revue littérature de Thomas de 2018, qu'il a réalisée avec Hammerley, Frank Schwartz ou Ronald Jung, donc c'est vraiment une équipe qui a tout à fait qualitative qui a fait cette méta-analyse, la conclusion est que les techniques de greffe de tissu mou améliorent la santé périimplantaire. Point très important qui va un petit peu à l'encontre des anciennes études sur le sujet, je pense par exemple aux études de Wenström, que le gain de gencive kératinisée par greffe autologue limite l'inflammation périimplantaire, limite le saignement en sondage et permet une meilleure stabilité osseuse. Donc on aura tout intérêt lorsqu'on a un déficit à amener de la gencive kératinisée autour de nos implants, et que le gain d'épaisseur autour des implants par une greffe autologue, essentiellement, parce que là encore, il conclut que les greffes autologues sont meilleures que les substituts au niveau tissulaire, que le gain d'épaisseur par greffe conjonctive donc, permet une meilleure stabilité osseuse. Ce qui veut dire que lorsqu'on est dans des situations telles que celle-ci, où on a un déficit tissulaire, il sera important de réaliser dans un deuxième temps tout un tas de techniques de reconstruction tissulaire de façon, alors on a ici en haut à gauche un lambeau déplacé apicalement avec une greffe conjonctive qui va être mise en place autour des implants, ici un lambeau déplacé apicalement avec également une greffe conjonctive tubérositaire en avant de cet implant, une greffe épithélo-conjonctive une fois les implants placés à ce niveau-là pour recréer les gencives kératinisées. À la mandibule, moi j'aime bien réaliser des techniques de greffe conjonctive en poncho comme ça autour des implants de façon à épaissir à la fois en vestibulaire et en lingual et de façon à obtenir des résultats tels que ceci. Donc ce sont les mêmes cas après cicatrisation où on a en plus ici le fait que la prothèse est venue avec les profils d'émergence bien sculpter des profils qui sont tout à fait intéressants, mais on a vraiment des tissus qui sont qualitatifs et qui nous permettront de garantir des résultats sur le long terme au niveau de nos implants. Et je pense que tout le monde connaît cette phrase de Yann Ling 2 qui dit que, grosso modo, l'os est le prérequis à nos traitements, mais que ce sont les tissus mous qui permettent après des résultats sur le long terme. Donc, petit cas pour illustrer la marche à suivre lorsque l'on est sur un site qui est cicatrisé. Alors ça, c'est une patiente qui m'avait été adressée il y a, je pense, 2-3 ans
par son praticien traitant. Et des années avant, il y avait eu des extractions qui avaient été réalisées. Cette patiente a tout un tas de problèmes au niveau prothétique à corriger et présente une prothèse amovible secteur 1 et secteur 2. Et là, je me concentrer un petit peu sur le secteur 2. Donc, on voit qu'on a eu, après des extractions qui ont été réalisées de façon ancienne et le port d'une prothèse, on a une crête qui est extrêmement fine avec une perte importante en épaisseur. Il a fallu réaliser une reconstruction verticale et horizontale en faisant une greffe sinusienne par sinus shift et puis une régénération guidée avec une saucage technique. Donc, si on compte la première intervention d'extraction, ça fait la deuxième intervention que la patiente subit à ce niveau-là. Puis ensuite, il y a eu une pose des implants qui a été réalisée. On voit ici le résultat à 6 mois. On a un gain qui est tout à fait satisfaisant, mais une troisième intervention sera nécessaire pour placer les implants. Et ensuite, une quatrième intervention de deuxième temps, de façon à recréer un environnement tissulaire qui soit intéressant. On voit ici un gain osseux qui est tout à fait satisfaisant. Donc, tout ça fonctionne très, très bien. Et ce sont des techniques qu'on réalise tout à fait couramment avec un apport de greffe de tissu conjonctif pour épaissir, toujours pour être dans les clous au niveau du volume tissulaire périimplantaire. Et ensuite, avec la restauration prothétique, on arrive à créer des profils qui sont tout à fait acceptables et des résultats qui sont à la fois esthétiques et, on va dire, biologiques au niveau de nos restaurations qui permettent de rendre le sourire à la patiente et d'obtenir une santé sur le long terme. Donc, tout ça pour dire que toutes ces techniques fonctionnent très bien. C'est vraiment des choses qui sont réalisées très régulièrement. Mais tout ça pour amener le sujet du séminaire aujourd'hui, ne pourrait-on pas anticiper les choses dès l'extraction et on va réfléchir ensemble et proposer quelques options thérapeutiques de façon à voir si, en anticipant les reconstructions tissulaires dès la phase d'extraction, on ne peut pas faire en sorte qu'on évite tous ces effondrements. Parce que lorsque l'on a une situation comme cette patiente-là, qui est une patiente qui a eu un trauma antérieur et qui a bien entendu une demande esthétique qui est importante et qu'il faut lui apporter, il faut bien gérer la situation dès la phase d'extraction pour éviter de se retrouver dans la situation de ce patient où là, les dents ont été extraites de façon anticipée. Je vois le patient comme ça. Et donc là, je me dis, bon, pour ce patient-là, ça va être la grosse artillerie avec d'abord une reconstruction osseuse à réaliser, ensuite la pose des implants et peut-être une suraugmentation dans un deuxième temps, puis ensuite greffe conjonctive, aménagement tissulaire, puis ensuite gestion, enfin, tout un tas d'interventions qui font qu'il va falloir reconstruire cette perte que l'on a ici. On a une perte verticale qui est assez importante. Il va falloir la reconstruire. Alors, l'objet de la présentation d'aujourd'hui, ça va être de faire en sorte de voir comment on peut éviter ça et anticiper les choses au niveau des reconstructions. Alors, comment ? Tout simplement, en d'abord, évaluant bien la situation clinique. Alors ça, c'est une étude de 2008 qui liste un petit peu tous les éléments que l'on peut lister au niveau des alvéoles d'extraction, donc au niveau de la qualité des tissus mous, de la quantité des tissus mous, biotype, au niveau de la forme des papilles, au niveau osseux, des pertes osseuses éventuelles que l'on peut rencontrer, au niveau des pics, au niveau des papilles osseuses, au niveau de tout un tas de choses qui vont nous permettre de voir vers quelle option on va pouvoir aller en fonction de la situation clinique. Alors moi, j'aime bien cette classification de Kahn de 2005 dont je me sers de façon à voir dans quelle situation on se trouve. Et on va voir ensemble que avec une bonne étude du cas, on pourra, pour certains, notamment pour les cas numéro 2 et les cas numéro 3 que je vais évoquer de façon un petit peu plus précise après, on pourra donner au patient, offrir au patient des soins qui lui permettront d'anticiper des reconstructions tissulaires et d'éviter moult interventions. Alors, je vais passer rapidement sur les quatre situations, sur les quatre types d'alvéoles d'extraction qu'on peut être amené à traiter. La situation 1, ce n'est pas trop en rapport avec le séminaire d'aujourd'hui, puisque c'est une situation où on a pas de perte osseuse ni de perte tissulaire. Ce sont les cas qui ne sont pas forcément les plus simples parce qu'il y a une haute demande esthétique. Ce sont les cas d'extraction, implantation
mise en esthétique immédiate. Alors, on a ici ce cas qui est illustré avec tout un tas de phases. D'abord, la phase d'extraction, la pose de l'implant, puis la greffe conjonctive, le comblement du gap, la gestion par la dent provisoire. On sculpte bien le profil d'émergence et ensuite, on a un résultat avec une prothèse d'usage qui est tout à fait sympathique. Donc, on pourrait faire également des séminaires entiers sur le sujet. Mais ça, ce sont les situations 1, des situations où on n'a pas à faire de la reconstruction tissulaire dès l'extraction, mais c'est plus de l'optimisation tissulaire dès l'extraction. Donc, on ne va pas l'évoquer davantage. Aujourd'hui, on va plutôt partir sur ce qu'on peut faire lorsque l'on est dans une situation numéro 2 et dans une situation numéro 3. Donc, ça, c'est la situation numéro 2, où on a globalement une très faible ou absence de perte osseuse en vestibulaire des dents, mais où on a un biotype qui est fin et où on a de base une épaisseur osseuse vestibulo-palatine, comme par exemple pour cette patiente, où c'est de l'ordre de 5 mm. Donc on a une situation qui est avec un volume osseux qui est faible à la base. Et chez cette patiente, on a en plus un biotype fin, on a en plus des papilles effilées, on a des dents triangulaires. Donc on va voir comment on peut faire pour essayer de limiter l'effondrement tissulaire et d'optimiser tout ça dès la phase d'extraction. Situation numéro 3, ce sont les situations où on a des pertes osseuses vestibulaires qui sont plus ou moins importantes. Alors, on verra trois cas sur ces quatre-là lors de ce webinar. Et on verra comment ils ont été traités. Ce sont des cas où ici on a des pertes avec des infections d'une bonne partie de la table vestibulaire. Ici, on a en plus une perte gingivale. Et à ce niveau-là, une perte totale en vestibulaire. On va voir comment on va manager ça dès la phase d'extraction. Et enfin, la quatrième situation, on l'évoquera également rapidement comme la situation 1, parce que ce n'est pas forcément le thème d'aujourd'hui. Ce sont des situations où on ne pourra rien faire lors de la phase d'extraction, parce que la destruction est telle qu'il vaudra mieux attendre une première cicatrisation pour ensuite faire de la reconstruction. Alors, on va rentrer un petit peu dans le premier cas. Donc, c'est cette patiente-là qui est une patiente de 35 ans qui est en tout à fait bonne santé générale et qui est non fumeuse et qui m'est adressée comme ça. Alors, pour la petite histoire, c'est une patiente, son dentiste m'appelle, c'était le jour du lundi de Pâques, on était avec les enfants en train de ramasser les œufs, et il m'appelle en me disant qu'il a vu en urgence une de ses patientes au cabinet qui a eu un choc très important. Alors, ce qu'il a fait, lui, en priorité, les dents 12, 11, 21 et 22 ont subi un traumatisme. Il a fait des traitements endodontiques de la 12 et la 21 de façon à ce que les choses se passent au mieux pour qu'il n'y ait plus de douleur à ce niveau-là. Mais ce sont des dents qui ont des fractures telles que ce sont des dents qui sont à extraire. Il a extrait la 11 en mettant un petit matériau de comblement qui sera éliminé après, mais pendant son acte d'urgence. Et il a réalisé un composite au niveau de la 22 parce que la patiente n'avait pas retrouvé le fragment dentaire. Donc moi, surtout, je lui dis, fais au mieux, n'extrais pas les dents, laisse-moi les dents, je veux voir la patiente brute de décoffrage. Et il avait réalisé également une petite PAP de façon à rendre le sourire à la patiente. Et j'avais dit surtout, tu mets vide et tu élimines toute la fausse gencive en vestibulaire de façon à ce qu'il n'y ait pas d'appui. Et je vois la patiente donc arriver en première consultation comme ça quelques jours plus tard. Et donc là, la question que l'on doit se poser après avoir fait tous les examens, c'est qu'est-ce que l'on va pouvoir proposer à cette patiente. Alors là, il y a plusieurs options. La première option, de toute façon, on sait que de la 12 à la 21, les dents sont condamnées. Donc, soit on extrait les dents et on laisse cicatriser, mais sans rien faire. Et dans ces cas-là, on va avoir une perte qui va être importante et des reconstructions à faire. Donc ça, j'ai éliminé cette solution-là. Autre solution, extraction, comblement, et puis on ferme avec des punches épithylo-conjonctifs ou des greffes conjonctives de façon à faire de la préservation alvéolaire,
Mais alors, dans ce cas-là, je me suis dit, alors, dans pas mal de cas, ce sont des options qui sont tout à fait bonnes, mais dans ce cas-là, on a à la base une épaisseur osseuse qui est relativement faible, qui est de l'ordre de 5 mm. Et si l'on fait juste de la préservation tissulaire, enfin de la préservation alvéolaire, on va avoir, après cicatrisation, maximum 5 mm d'épaisseur. On n'aura pas suffisamment d'épaisseur osseuse. Et donc, il faudra faire de la reconstruction par-dessus. Donc, cette option, je l'ai évacuée également. L'autre solution, extraction, implantation immédiate, avec une mise en esthétique immédiate, comme on peut le faire dans la situation numéro 1, je l'ai éliminé également puisqu'on n'avait pas suffisamment de volume osseux en épaisseur, on avait toujours ces 5 mm. Donc là, je suis parti sur, j'ai dit à la patiente, on va tenter effectivement de réaliser tout d'un coup. Et dans ce cas-là, on a réalisé l'extraction des dents de façon la plus atraumatique possible. Il y a eu deux implants qui ont été posés en 12 et 21. J'ai utilisé un guide chirurgical pour placer de façon idéale ces implants-là. Et ce qui a été réalisé là, donc, c'est un cas où il n'y avait pas de perte osseuse vestibulaire, donc il y avait l'intégrité de l'enveloppe osseuse, mais de façon à épaissir en vestibulaire, il y a une régénération osseuse guidée qui a été réalisée. Donc là, on voit ici qu'une membrane a été pincée en apical. Il y a eu un comblement qui a été réalisé en vestibulaire. Donc là, j'ai utilisé uniquement du BIOS dans ce cas-là, puisqu'on était en vestibulaire de l'alvéole. Et dans ce cas-là, je veux surtout avoir un matériau qui ne se résorbe pas. Ce n'est pas comme quand on fait de la régénération osseuse guidée dans laquelle on va mettre les implants après, où on privilégie l'os autogène. Là, c'est vraiment un rempart de substitut osseux. Donc là, c'est du BIOS qui a été placé. Et ensuite, là, j'ai mis la membrane autour de l'implant 12 de façon à ce qu'il y ait une stabilité de la zone de greffe. Ça, c'est un point qui est très important. Et un greffon conjonctif qui va venir être mis en place en vestibulaire de façon à optimiser le biotype et en partie refermer les espaces qui sont présents. Parce que l'un des éléments vraiment très importants dans ce type de choses, c'est d'avoir une manipulation tissulaire et une étanchéité des zones de régénération et de ne pas laisser les choses à nu. S'il y a de la salive qui vient et si les choses ne sont pas étanches, on n'est pas dans de bonnes conditions. Donc, c'est vraiment très important de bien manipuler les tissus et j'ai fait en sorte de préserver les papilles avec des sutures qui ne viennent pas écraser ici les papilles, mais qui sont des points en U verticaux et puis également des sutures que peut réaliser Doukeli qui font le tour des dents et également de façon à tracter un petit peu les choses et arriver à une situation qui soit le plus possible au niveau tissulaire telle qu'elle était avant l'extraction des dents. Temporisation qui change avec ici c'est un Maryland qui avait été réalisé en amont, qui est collé le jour de l'intervention et qui va permettre de sciller la zone au niveau de la zone qui n'a pas d'implant ici. Donc, il va venir hermétiser les choses sans venir comprimer. C'est vraiment un scellement de la zone de façon à ce que ça cicatrise bien. Et on voit ici qu'à 15 jours, on obtient des cicatrisations qui sont tout à fait satisfaisantes. Et là, on se dit qu'on est bien parti pour avoir un résultat qui nous permette de préserver au maximum les choses et de les optimiser. Et je pense que si on avait fait en plusieurs étapes, ça aurait été plus compliqué et moins prévisible de préserver les papilles et d'avoir une architecture intéressante. Alors, on a ici la cicatrisation à 5 mois, le cone beam également, où on voit qu'on a globalement 8 mm d'épaisseur osseuse, on était à 5, toute cette partie-là, c'était la partie qui a été régénérée. Alors, les implants posés sont des Nobel actifs de 3,5. En antérieur, je privilégie le plus possible des implants étroits. Ce sont la plupart du temps des implants de 3,5 mm qui sont placés. Et la cicatrisation à 5 mois, où l'on voit qu'on va pouvoir ensuite, avec la prothèse provisoire, venir sculpter la forme de la gencive de façon à bien récupérer les papilles. Et c'est ce qui a été réalisé à ce niveau-là. Alors ça, c'est important. Il y a eu des webinars extrêmement intéressants sur la gestion des profils d'émergence, comme je disais tout à l'heure, avec la zone biologique ici qui doit être en vestibulaire la plus concave possible de façon à aménager
un volume de tissu mou le plus important possible. Et la zone prothétique ici, qui la zone anatomique, qui va venir comprimer et faire du pushing un petit peu pour venir sculpter la forme de la gencive. Donc vraiment, c'est important avec le laboratoire de leur demander de faire des profils d'émergence adaptés. Et lorsque, également au niveau ici de l'intermédiaire de bridge, c'est un pontique ovoïde, et lorsque le bridge provisoire est mis en bouche, et on voit quelques petits points d'impact d'anesthésie parce que c'est fait sous anesthésie, et le profil d'émergence qui avait été réalisé sur le modèle, ici vient sculpter la gencive, mais là on peut le faire, puisque c'est une gencive qui a été bien épaissie avec un conjonctif assez épais en dessous, donc on peut venir pousser ça. C'est le docteur Mathieu Sarda qui a réalisé la partie prothétique provisoire à ce niveau-là, et quand on regarde les niveaux, on a un rattrapage des niveaux ici qui est réalisé, des papilles qui se reforment, et on a ici la situation quelques semaines plus tard avec un résultat qui est assez satisfaisant au niveau du provisoire. Ici on a le sourire de la patiente et la situation 5 mois après la mise en place des provisoires, et donc là la patiente en l'occurrence peut repartir voir son praticien traitant pour réaliser la prothèse d'usage. Alors le seul regret que j'ai pour cette patiente, c'est de ne pas l'avoir vue avec sa prothèse d'usage et de ne pas avoir déposé le bridge provisoire à ce niveau-là pour bien prendre en photo les profils d'émergence, mais j'espère la revoir prochainement si on en a la possibilité, j'espère rapidement, et pour effectivement iconographier le cas jusqu'au bout avec la prothèse d'usage. Mais là, en une intervention, on a pu résoudre le problème à la fois, rendre le sourire à la patiente, et résoudre le problème à la fois esthétique et biologique avec un environnement périimplantaire qui permettra très probablement un résultat intéressant sur le long terme. Deuxième cas clinique que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est le cas de cette patiente qui m'est adressée pour remplacer 11 et 21 qui sont couronnés de très longue date avec des couronnes cérébrométalliques. On voit qu'il y a une grosse inflammation tissulaire à ce niveau-là. C'est une patiente qui avait eu à l'époque un traumatisme il y a des années. C'est une patiente de 39 ans qui est en parfaite santé générale et qui est non fumeuse. Et lorsqu'on regarde l'examen CONBIM, on s'aperçoit de l'importance des lésions infectieuses et qu'il y a une partie de la table osseuse vestibulaire qui est détruite liée au processus infectieux. Alors ce sont des dents qui n'ont pas un bon pronostic, qui sont condamnées. Là, on n'a pas de possibilité de demander à un endodontiste de réaliser des retraitements ou autre, parce que le pronostic des dents est mauvais. Et donc ce sont des dents qui sont à remplacer. Lorsque l'on regarde ici l'épaisseur vestibulo-linguale, on a à peu près 7 mm. Mais lorsque l'on regarde ici l'importance des infections, on s'aperçoit de la destruction osseuse vestibulaire, qu'il sera contre-indiqué de placer les implants dans le même temps opératoire. Donc ça, on évacue tout de suite cette solution-là. Moi, personnellement, je ne pose pas d'implant lorsque on a une telle destruction de la table osseuse vestibulaire, et encore plus, bien sûr, lorsqu'il n'y a pas d'ancrage apical, cela va de soi. Donc, devant ce cas-là, on peut se poser la question également de ce qu'on va faire. Alors, je reviens juste sur la première photo initiale, c'est celle-ci, où on peut se poser effectivement toutes ces questions. Si l'on extrait les dents et que l'on réalise que l'on extrait les dents simplement, on va avoir également un effondrement, une perte très importante du peu d'os vestibulaire qui reste, et il va y avoir une reconstruction importante qui va être à réaliser. La solution implantaire, je l'ai dit, avec une extraction implantation immédiate, on l'évacue, on ne la réalisera pas dans ce cas-là, parce que c'est totalement contre-indiqué. Et alors, ce qui a été privilégié plutôt dans ce cas-là, ça a été d'extraire les dents, bien évidemment de réaliser tous les assainissements osseux et tissulaires pour éliminer les foyers infectieux et obtenir à la fois un os et des tissus qui sont parfaitement sains. Dans ce cas-là, tout a été fait sans lever de lambeau. Alors, c'est une patiente, je m'en excuse, les autres cas seront beaucoup plus iconographiques que ça, mais je pensais que c'était un cas qui était intéressant à montrer dans la philosophie de traitement, parce que lorsque j'avais fait cette intervention, j'avais eu un problème avec l'appareil photo, ce qui peut arriver de temps en temps, et je n'ai pas pu iconographier autant que j'ai vu.
autant que j'ai pu seulement faire une photo finale. Alors, ce qui a été réalisé, c'est que les dents, encore une fois, ont été extraites, tout a été nettoyé. Il y a une tunnelisation qui a été réalisée de la 12 à la 22 en vestibulaire. Les alvéoles ont été comblées, mais auparavant, un conjonctif avait été prélevé en palatin et glissé en vestibulaire, après avoir bien libéré, comme on fait un tunnel habituellement au niveau pour traiter des récessions, de façon à bien libérer et avoir une passivité totale au niveau des tissus. Ce greffon a glissé de façon à épaissir et à optimiser les tissus mous en vestibulaire. Les alvéoles sont comblées. Et là, alors, dans certains cas, effectivement, lorsqu'il n'y a pas de bridge collé comme ici, ça peut être intéressant de réaliser des punchs épithélo-conjonctifs et de venir suturer de façon à sciller, à venir hermétiser totalement les alvéoles d'extraction et à permettre de gagner de la gencive kératinisée. Et dans ce cas-là, j'ai fait autrement. En réalité, des pangènes seulement ont été mis au-dessus des zones de comblement. Et c'est le provisoire, encore une fois, qui, mis en place avec des profils d'émergence qui sont équivalents à des coupes de dents. Alors ça, Jürg Zeller explique ça très bien dans son bouquin, la façon dont on doit réaliser les profils au niveau des pontiques. Ça vient complètement sciller et on s'en sert également pour tracter les tissus au niveau des papilles de façon à avoir toujours pareil un maintien le plus possible du profil papillaire et de la zone décollée. Alors, pour cette technique, je me suis un petit peu inspiré, et j'aime bien le faire, de la technique, de la voile technique de Zucchelli, où c'est en réalité la greffe conjonctive qui est sous-jacente, qui vient servir en quelque sorte de membrane et de mainteneur d'espace pour le comblement, puisque, encore une fois, on a une perte au niveau de la table vestibulaire qui est assez conséquente. Et là, c'est la greffe conjonctive qui est venue jouer le rôle de fermeture en vestibulaire de la zone et de maintien d'espace et de membrane. Alors, on a ici la cicatrisation à 15 jours. Hop, voilà. Où on voit qu'on a un maintien de l'architecture qui est tout à fait intéressant. Et ici, la situation, donc là, on est à 6 mois post-opératoire. Où on voit, alors sur la coupe, ici, on a un maintien du volume au niveau vestibulaire, donc on n'a rien perdu, et on a un volume osseux qui est suffisant pour pouvoir placer les implants maintenant, tout en ayant conservé l'architecture et déjà optimisé les choses au niveau des tissus. Donc, dans ce cas-là, une ouverture à minima a été réalisée en vestibulaire, toujours... Alors, dans des cas comme ça, j'aime bien venir tunnéliser en vestibulaire. Et là, j'ai reglissé un nouveau greffon conjonctif pour avoir vraiment une épaisseur de tissu en vestibulaire des implants qui soit la plus importante possible. Et là encore, par des sutures, là on voit que ce sont des sutures qui font le tour des dents, par des pointes de Zucchelli, on vient réaliser des tractions coronaires. Alors, ce sont plus des repositionnements que des tractions parce qu'on le fait sans tension, de façon à ce que on ait un positionnement le plus coronaire possible des tissus qui sont là à nouveau épaissis. On a la situation en fin d'intervention ici, et toujours pareil, le Maryland qui nous sert de temporisation, une radio de contrôle panoramique à ce niveau-là, on voit les deux implants et le Maryland au-dessus. Et donc là, ensuite, dans un deuxième temps, la partie prothétique provisoire, une fois que les implants sont ostéo-intégrés, alors là, j'ai choisi, encore une fois, de ne pas faire de mise en esthétique immédiate pour un cas tel que celui-ci, puisque les implants sont, on va dire, à 90% dans l'os greffé, et moi, je préfère attendre. La patiente a un Maryland qui est tout à fait confortable et tout à fait esthétique, donc ça ne sert à rien d'aller trop vite. Et donc là, on demande, toujours pareil, au laboratoire en concertation avec lui, de réaliser sur le modèle à ce niveau-là. Alors, ça peut bien entendu être fait en numérique aujourd'hui. Là, ce sont des cas qui sont un petit peu plus anciens, qui ont quelques années, où on voit que le shape au niveau du modèle implantaire a été réalisé de façon à créer des profils d'émergence qui sont idéaux. Et à partir de là, des provisoires avec des profils des zones subcritiques et critiques qui doivent être bien réalisés. Et là, on arrive, après sculpture des tissus mous, à des résultats qui sont... tout à fait satisfaisant,
on recrée des papilles grâce à cet apport qu'offre la prothèse provisoire. Et là, c'est du velours pour réaliser après la partie prothétique d'usage, qui doit respecter les mêmes profils que les profils d'émergence. Et là, c'est le docteur Sarda qui a réalisé les prothèses d'usage sur ses dents. On a un résultat qui est tout à fait sympathique, avec un travail au niveau de la céramique et également par le laboratoire tout à fait satisfaisant. Et on a ici un contrôle à 2 ans de la situation et une patiente qui est tout à fait ravie. Donc là, avec 2 interventions, on a pu résoudre le problème. Et toutes ces techniques-là, aussi bien la première que la seconde dans des cas qui sont différents. Le premier cas, c'était un cas où il n'y avait pas de perte osseuse, donc c'était fin. Et ce deuxième cas où on a des pertes osseuses qui sont importantes, on a réussi à préserver l'architecture des tissus mous et à épaissir dès l'extraction. Et je pense que c'est un élément très important d'éviter de perdre cette architecture. On sait, encore une fois, comme je montrais tout à l'heure, reconstruire, mais je pense que c'est bien pour les patients de limiter l'effondrement, de ne pas perdre ce que nous a offert la nature avec la présence des papilles et de faire en sorte de limiter la morbidité. Donc là c'est le cas. Troisième patient, qui est une patiente, c'est un cas où, comme pour le précédent, on a une perte osseuse vestibulaire, mais on a également une perte de tissu mou en vestibulaire. Alors, c'est une patiente de 45 ans qui est également en parfaite santé et qui est non fumeuse. Et ça, c'est important. Je pense que c'est tous les cas que je montre, ce sont des cas qui sont chez des patients non fumeurs. Et très honnêtement, ces techniques-là sont très certainement beaucoup plus sensibles et beaucoup moins prévisibles chez les patients fumeurs. Alors, pour la petite histoire de cette patiente, c'est une patiente qui est en cours de soins avec moi. Bon, il y a 10 années, j'avais placé des implants à ce niveau-là et sa praticienne avait fait la partie prothétique. Et je m'occupe du secteur 3. Il y a une reconstruction osseuse, on voit la voussure ici, c'est une régénération osseuse guidée qui est réalisée en dessous. Et on voit à quel point ce type de technique entraîne une disparition de la gencive kératinisée en vestibulaire, donc il va falloir après faire des aménagements tissulaires pour recréer tout ça. On voit ici la régénération osseuse qui est réalisée, et lorsqu'elle a été réalisée, on voit que à ce niveau-là, je reviens en arrière, la couronne était toujours présente, mais lorsque la patiente revient vers moi, sa praticienne a juste eu le temps de faire une petite dent provisoire à ce niveau-là, la racine est condamnée, et on fait l'examen de façon à voir quelle solution on peut lui proposer. On note un niveau qui est beaucoup plus apical de la 22 et de la 23 par rapport aux autres dents. Cependant, on peut remarquer qu'il y a une certaine disharmonie entre le côté droit jusqu'à la 21 et le côté gauche, qui fait qu'on ne pourra pas repositionner, bien entendu, la 22 au niveau de la 12, mais qu'il va falloir plutôt trouver une solution en harmonie avec on va dire le sourire global de la patiente, sachant qu'en plus c'est une patiente qui a des facettes sur toutes les dents qui sont anciennes mais qui sont toujours correctes et qui sont toujours présentes, et on ne va pas lui refaire tout le sourire, donc il va falloir se concentrer sur cette zone-là, reconstruire ce qui détruit ici au niveau de la 22, et par la même occasion réaliser ici un recouvrement au niveau de la récession de la 23. Alors, toujours pareil, qu'est-ce qu'on fait? L'extraction simple, bien entendu, on l'évacue. Si l'on regarde l'examen scanner, alors je n'ai pas les coupes scanner parce que je n'ai pas pu les récupérer, mais j'ai cette image 3D que j'avais dans mon ordinateur, où on voit qu'on a une perte osseuse circonférentielle qui est relativement importante. On a une petite chips osseuse vestibulaire qu'il va falloir préserver le plus possible. On a perdu pas mal. Alors, c'est une dent qui est fracturée, qui a un trait de fracture. Et donc là, bien entendu, si on extrait simplement, on va avoir un effondrement et une reconstruction verticale à réaliser qui va être important. Donc, on évacue ça. Si on fait un comblement simple, ça va être compliqué puisqu'on a une perte tissulaire également. Alors, on pourrait, toujours pareil, avec un punch, récupérer. Mais je pense qu'il faudrait de toute façon, dans un deuxième temps, faire une surcorrection avec une augmentation lors de la pose de l'implant avec une ROG. Donc là, pourquoi pas également tout faire d'un coup, c'est un petit peu ce qui a été réalisé dans ce cas-là. La dent a été extraite de façon atraumatique. On voit ici la fine chips osseuse qui a été préservée. On a un niveau osseux qui est plus apical que par rapport aux autres dents. Il y a une ouverture avec un trait de décharge ici, mais j'ai essayé de faire l'intervention à minima.
avec un scraper, un micros en apical, on vient prélever du tissu osseux qui va être mélangé avec une xénogreffe en l'occurrence du bios, et une régénération osseuse guidée est réalisée, un conjonctif est prélevé, et qui va venir à la fois épaissir en vestibulaire, épaissir la zone qui sera recouverte au niveau de la 23, et venir faire une fermeture de la zone à ce niveau-là. Alors, on ne voit pas bien sur ce cas-là, mais globalement, avec le cas que je vais vous montrer ici, on voit ça, c'est un autre cas, juste pour illustrer ce qui a été réalisé. Donc, c'est un cas qui est à peu près similaire. Donc, la régénération osseuse guidée est réalisée en venant pincer la membrane en vestibulaire. La membrane est suturée en palatin de façon à venir complètement refermer la zone de régénération. Le conjonctif est prélevé et le tout après est suturé. Donc, c'est le même principe qui a été réalisé pour cette patiente. Donc, je reviens à mon cas. Voilà. Et donc, après suture, nous sommes dans cette situation-là. Toujours pareil, des sutures qui viennent, après libération tissulaire, repositionner coronairement les tissus. Des points qui sont des points également de Zucchelli qui font le tour des dents, qui viennent tracter coronairement, positionner coronairement. Et une temporisation, là encore, qui est réalisée avec un petit Maryland qui est collé à l'arrière des dents, de façon à venir complètement refermer la zone sans venir comprimer, mais qu'on ait un bon sealing de la zone de régénération. On a ici la cicatrisation, on est à 6 mois post-opératoire, et ici la situation au niveau du cone beam, où on voit qu'on a réalisé la préservation plus un épaississement osseux vestibulaire. Donc là, on a maintenant un volume qui nous permet de placer l'implant dans de très bonnes conditions, et on voit que les implants entre-temps ont été placés ici, puis le deuxième temps réalisé avec la mise en place de Pitimit Unit. Et donc là, on est dans une situation tout à fait favorable pour pouvoir placer notre implant. On voit ici la situation initiale et la situation avec la régénération osseuse qui a été réalisée. On voit les pins ici qui sont présents, qu'on ne voyait pas sur les photos que je vous ai montrées, mais que l'on voit sur le cone beam. Et donc maintenant, la situation se transforme en situation qui est plutôt simple, avec un lambeau qui a été réalisé à minima en vestibulaire, de façon à reglisser un greffon conjonctif. Alors, j'ai fait de la... On aurait peut-être pu s'en passer, parce qu'on va voir qu'on a quand même un gros volume conjonctif pour ce cas-là, mais je voulais, en fait, mettre un greffon conjonctif avec une forme qui vienne à la fois en vestibulaire, mais surtout sous les papilles ici, essayer de regagner au maximum du volume au niveau des papilles, parce qu'elles étaient un petit peu effondrées, comme on peut le voir à ce niveau-là. Et je voulais obtenir des papilles les plus jolies possibles. On a ici la cicatrisation tissulaire, la provisoire qui est réalisée encore une fois avec un profil d'émergence qui doit être adéquat, la situation radiographique, et puis c'est une patiente qui a vu entre-temps sa praticienne traitante habituelle, qui a réalisé une prothèse transvissée. Ici, c'est avec le système ASC de Nobel Biocare, donc c'est un implant Nobel Active qui a été réalisé. Alors, on pourrait dire après beaucoup de choses sur le type de profil, sur le type prothétique ou comme ça, c'est du transvissé, mais ce n'est pas l'objet de la conférence d'aujourd'hui, mais on a un résultat qui est tout à fait satisfaisant. On a récupéré un niveau harmonieux et on s'est occupé également de la récession au niveau de la 23. Donc là, la patiente est tout à fait satisfaite. Et toujours pareil, en deux interventions, on a pu traiter le problème à la fois esthétique et puis fonctionnel, et puis avoir des tissus qui biologiquement nous permettent d'obtenir un résultat qui soit conformément aux données de la littérature le plus stable possible, avec un suivi bien entendu qui est nécessaire. Alors, on avance un petit peu au niveau des cas cliniques. On arrive à l'avant-dernier cas clinique que je vais vous exposer aujourd'hui, qui est toujours pareil, on est dans une situation 3, donc c'est-à-dire où on a une perte osseuse vestibulaire, mais là on a une quasi-disparition de la table osseuse vestibulaire jusqu'à l'apex de cette dent. Donc, vous devez vous en douter, il s'agit de la 21 qui a un problème. On est chez un patient qui a un biotype fin, qui a des dents triangulaires également, qui a des récessions, qui a un diastème également entre la 11 et la 21.
ici on a un petit aft qui n'a rien à voir avec le plan de traitement, mais qui est, que l'on voit. Donc voilà, ça fait beaucoup de paramètres qui font que on peut se retrouver facilement, si on ne gère pas les choses correctement initialement, avec une situation qui devient encore plus complexe après cicatrisation. C'est un patient de 40 ans, toujours pareil, qui présente une très bonne santé générale, et toujours pareil, qui n'en fume. L'examen Cone-BIM, alors, qui n'est pas de très bonne qualité, parce que j'ai fait des photos d'écran, c'est tout ce que j'ai pu avoir à vous montrer là aujourd'hui, mais où on voit bien, bon, c'est une dent qui est condamnée, qui a déjà eu un traitement endodontique, qui a une résorption apicale qui est importante, avec une lésion qui est également importante. Et c'est une dent qu'on peut remarquer qui est très vestibulée par rapport, enfin, qui est très vestibulée, qui est un petit peu vestibulée par rapport aux autres, donc c'est une dent qui est un petit peu en avant. Et donc, toujours pareil, dans ce cas-là, quand on réfléchit à la solution que l'on veut apporter à ce patient, si l'on réalise une simple technique d'extraction, parfait nettoyage, préservation alvéolaire et éventuellement aménagement tissulaire concomitant, on n'aura pas suffisamment de volume de façon à pouvoir mettre un implant ensuite dans de bonnes conditions. Donc il faudra, au moment où on met l'implant, faire une surconstruction par une érogée. Et donc là, toujours pareil, avec la même réflexion, on est parti sur une solution. Donc là, on voit l'ouverture qui a été réalisée. On est parti sur une solution de régénération osseuse guidée lors de la phase d'extraction. Alors ce qui est intéressant de voir sur cette photo, c'est le fait que on a vraiment un patient avec un os et des racines un petit peu en tout l'ondulé. On a vraiment quelque chose qui est avec des dents qui sont très proéminentes en avant. Et donc, si on part en tunnelisation, ça peut risquer d'être compliqué. Donc, ça, c'est pour ça que ça a été ouvert à ce niveau-là. Et on voit à quel point on a une perte osseuse qui est importante. Donc, si on n'ouvre pas de façon à bien objectiver le problème, on risque de délaisser des éléments au niveau apical également. Donc là, on a choisi d'ouvrir compte tenu de l'anatomie pour pouvoir également faire une reconstruction osseuse dans de bonnes conditions. On voit que les incisions sont faites de telle manière que l'on préserve le plus possible les papilles, et ça, c'est, je pense, important. De l'os est prélevé au niveau apical, mélangé avec un substitut osseux, donc toujours pareil, l'acide ubiose. On garde vraiment les principes de la saucisse technique dans ces techniques-là, de façon à avoir une herméticité de la zone de régénération. La membrane est également suturée en palatin à ce niveau-là et pincée de façon à ce qu'on ait vraiment un espace de régénération qui soit clos. Un conjonctif est prélevé au palais relativement long. C'est un conjonctif qui va nous servir à la fois à épaissir et à refermer en très grande partie la zone de prélèvement, mais également à recouvrir les récessions que l'on avait sur les dents qui sont sur la 22, sur la 23, sur la 24. Et ensuite, libération tissulaire et fermeture primaire. Et on gère la temporisation, là encore avec un Maryland qui vient sciller la zone de façon à l'hermétiser. Moi, j'apprécie beaucoup ces temporisations avec les Maryland parce qu'on a à la fois une temporisation qui est fixe, mais également une fermeture des zones opérées, et lorsqu'il y a de la régénération tissulaire, c'est quand même très important. On gère comme on peut, là j'avais laissé le blanc ici du produit de collage juste au niveau du métal pour que ce soit le moins disgracieux possible. Bon, c'est juste pour la petite anecdote. On a ici le résultat à 6 mois, Cone-BIM, avec un volume qui maintenant est à peu près 8 mm, ce qui nous permet ensuite de mettre un implant dans les meilleures conditions. On a ici la cicatrisation tissulaire, donc on voit qu'on a optimisé les tissus mous, on a quelque chose qui est plus épais, on a recouvert les récessions également. Bon, le petit excès de matériaux de collage ici a bien sûr disparu, mais au niveau esthétique, moi j'avais un petit peu peur de faire le Maryland à cause de ce diastème, mais ça se passe plutôt correctement, ça n'a pas bougé pendant la période de temporisation. On a ici il y a 9 mois donc, à la dépose, donc là on se dit qu'on a quand même des tissus qui sont tout à fait qualitatifs et on a vraiment un maintien de l'architecture que l'on souhaitait. Et là, bon, l'implant est placé. Alors on s'aperçoit encore une fois qu'avec ces techniques de régénération osseuse guidée qui font appel à la fois à des biomatériaux et à
de l'os autogène au moins à 50%, on obtient une qualité osseuse qui est extrêmement intéressante. Il n'y a pas du tout de particules ou de choses comme ça. On a vraiment quelque chose qui est très dense et très qualitatif et quand on fort, qui saigne et qui est tout à fait propice. C'est un os qui est tout à fait vivant et tout à fait qualitatif. C'est vraiment des techniques qui fonctionnent bien. L'implant qui est placé, alors aujourd'hui, je l'aurais placé avec... ça, c'est un cas qui remonte à l'an dernier et qui est en cours, que je vais voir bientôt. Mais je me mets petit à petit au numérique et aujourd'hui, je l'aurais placé avec un guide chirurgical. Mais là, on est tout à fait bien placé avec un guide analogique. On voit ici, alors l'implant a été, c'est un implant Nobel Active, toujours pareil, en 3,5. Hein, ça ne sert à rien de mettre un implant qui est trop large en antérieur. On veut plus avoir du volume osseux, du volume tissulaire que du volume de titane, qui n'a absolument aucun intérêt. Après, on gère avec le profil d'émergence. On le place suffisamment en profondeur de façon à ce qu'il soit au bon niveau par rapport aux dents adjacentes et qu'on ait suffisamment de hauteur également tissulaire au niveau des tissus mous. Et un deuxième conjonctif a été prélevé de façon à optimiser le plus possible la zone cervicale autour de l'implant. Là, c'est un implant qui a été enfoui. Alors, si j'ai enfoui l'implant, c'est parce qu'on est allé à 90% ou 95% de l'endos greffé. Et dans ce cas-là, je préfère, dans un deuxième temps, réaliser le deuxième temps opératoire. Alors, pour ce cas-là, alors, on voit ici la radio de contrôle, on est bien, on est dans l'axe, on est tout ce qu'il faut. Je devais faire le deuxième temps, alors avec une technique de rouleau et une provisoire transvissée immédiate, je devais le faire fin avril. Bon, ça... bien entendu, c'est reporté et on va rappeler le patient, on va lui refixer son rendez-vous. Il va falloir manager nos plannings, ça va être très compliqué, on va faire au mieux. Mais c'est ce type de temporisation, on voit que le Maryland est relativement large à ce niveau-là. Alors, c'est un Maryland avec des ailettes métalliques qui permet aux patients de patienter pendant plusieurs mois de façon tout à fait confortable. Donc là, il n'y a pas trop de soucis. Alors, quand on aura fait le deuxième temps, il y aura trois interventions en réalité qui auront été réalisées pour obtenir une situation avec une dent provisoire transvissée. Mais la dernière intervention sera une intervention qui est tout à fait réduite avec juste une désépithélialisation au niveau crestal et puis un petit rouleau qui va être réalisé, une empreinte et puis la gestion du profil d'émergence avec le provisoire. Alors, je vais en terminer avec les cas cliniques avec ce cas-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les différentes situations que je vous avais dont je vous avais parlé tout à l'heure, il y avait la situation numéro 4, qui est la situation en fait, où le défaut est trop sévère pour pouvoir faire quoi que ce soit lors de la phase d'extraction. Donc là, c'est une patiente de 58 ans, toujours pareil, qui est non fumeuse et qui est en tout à fait bonne santé, qui m'est adressée pour remplacer, alors on a une 22, je crois, qui est en bout de course, j'ai demandé un avis à un endodontiste, le docteur Mathieu Marais sur Bordeaux pour savoir si la dent avait éventuellement un pronostic bon avec un retraitement. Il m'a dit que non, donc on est parti bien entendu sur l'extraction, qui est une lésion qui est très importante, qui intéresse également les parties palatines de la 21 et de la 23. Mais là, lorsque l'on fait l'intervention, on s'aperçoit que l'on a une perte de la table vestibulaire, une perte de la table palatine, une lésion qui est extrêmement importante après avoir tout nettoyé. Et là, la meilleure chose à faire dans ce genre de configuration, c'est de refermer sans rien faire. C'est-à-dire qu'on n'a rien mis, on va laisser les choses cicatriser, on repositionne bien les tissus de façon à ce que ça cicatrise bien. Et lorsque l'on fait le cone beam, là on doit être à peu près 5 mois après, on s'aperçoit que l'on n'a quasiment plus rien, mais que l'on a une situation qui va nous permettre uniquement de réaliser ensuite les reconstructions qui s'imposent. Donc là, c'est la grosse artillerie qui va être réalisée, c'est-à-dire qu'on va faire une régénération sous guidée. Bon, là, c'est avec une membrane cytoplaste, de l'os est prélevé, toujours pareil au scraper sur site. On fait une ROG verticale à ce niveau-là, de façon à recréer un volume de crête en trois dimensions. Très important à ce que la membrane reste à distance des dents adjacentes à ce niveau-là. Alors, ce n'est pas évident. Là, c'était une 25 par 30, je crois, que j'avais utilisé. C'est une membrane cytoplaste 250. Et lorsque l'on arrive à des découpes au niveau de l'armature en titane, ce n'est pas évident et ça ne fait pas des choses qui sont très nettes à ce niveau-là. Donc, il faut rester bien à distance de façon
surtout pas qu'il y ait de PTFE ou qu'il y ait de titane à la base des dents, parce que ce sont des zones qui peuvent être ça peut créer des réouvertures et des contaminations et des infections. Donc ça, c'est vraiment très important. On vient complètement sciller la régénération avec une bioguide à ce niveau-là pour cette fois-ci aller jusqu'aux dents, pour que la partie qui est à nu ici soit également protégée. Et après libération tissulaire, on vient par des sutures toujours pareilles. Donc là, ce sont des points 6, de problème 6-0. Et auparavant, il y avait des points profonds qui avaient été réalisés avec des sutures de PTFE. On vient refermer. Mais on verra tout à l'heure que ça nous amène une perte de la gencive kératinisée vestibulaire. On a ici le cone BIM à 6 mois, donc qui nous montre, qui nous objective vraiment un gain très important. On a 10 mm maintenant en largeur au niveau de la crête, donc on a vraiment tout ce qu'il faut. C'est vraiment tout à fait satisfaisant. Mais on voit ici que l'on a le volume osseux avec vraiment quelque chose d'important en dessous, mais on n'a quasiment plus rien au niveau tissulaire. Donc il faudra manager ça dans un deuxième temps. Donc ça, c'est la troisième intervention. On dépose la membrane cytoplaste. On a un volume osseux qui est tout à fait conséquent. On vient sculpter ce volume osseux de façon à mettre au bon niveau l'os, l'implant par rapport à l'os. Et ça, c'est important qu'on vienne recréer des papilles osseuses et avoir quelque chose qui est tout à fait bien positionné en trois dimensions. Et on prélève un conjonctif. Donc là, c'est un conjonctif superficiel avec la technique de Zucchelli. On a quelque chose qui est très fibreux à ce niveau-là qui a été prélevé, et on vient le mettre à la fois en selle au niveau de la crête et en vestibulaire, de façon à optimiser le plus possible des tissus et avoir des tissus les plus épais possibles. Temporisation toujours pareil avec un Maryland, et un deuxième temps où on vient faire un lambeau déplacé apicalement, et on a ici la situation avec la provisoire et la situation avec la prothèse d'usage qui a été réalisée par la praticienne correspondante. Donc là, vraiment, avec quatre interventions, on arrive à de très bons résultats. Donc là, on a ici le cône BIM de contrôle. On voit que, grosso modo, toute la reconstruction osseuse, c'est ça. Hein, l'implant, il est à 60% dans la reconstruction osseuse. C'est assez intéressant. Quand j'ai vu ce cliché cône BIM, je me suis dit, waouh, c'est assez rigolo la forme que ça. Et avec quatre interventions, là, on n'avait pas le choix, on n'a pas pu anticiper les choses, on arrive à de très bons résultats. Mais si on peut éviter ça à la majorité des patients, je pense que c'est une bonne chose. Alors, on va arriver à la conclusion du séminaire. Je ne sais pas quelle heure il est, ouais, ça fait une heure que je parle, 1h05 à peu près. Donc, je pense qu'on est dans les temps, c'est très bien. Lorsque l'on regarde la littérature, et ça c'est une revue de littérature qu'a réalisée l'équipe de Buzer dans le Palio de Bill en 2017, lorsque l'on est dans une situation de type 2, de type 3, donc ce sont les situations 2 et 3 que je vous ai montrées avec les cas cliniques lors de ce webinaire, il est plutôt conseillé de réaliser l'extraction et ensuite, dans un deuxième temps, grosso modo entre 1 et 4 mois après l'extraction, de placer l'implant et de faire la reconstruction à ce moment-là. Pour ce qui est des situations de type 4, on reste à peu près inchangé par rapport à ce qui est au niveau de la littérature, mais si l'on considère les types 2 et les types 3, je pense que lorsque l'indication est bien posée et que si c'est possible, le fait d'anticiper et de faire des reconstructions tissulaires dès l'extraction, donc nous permettra vraiment de préserver le plus possible d'architecture tissulaire, et lorsque l'on est en secteur antérieur, c'est quelque chose qui est très important pour préserver les papilles et avoir un résultat qui soit le meilleur possible. Si c'est possible, encore une fois, ça permettra de limiter le nombre d'interventions, comme on a vu, on fait moins d'interventions chez les patients chez qui on anticipe, ça permet de limiter la lourdeur des interventions suivantes, parce qu'on a presque l'intervention d'extraction avec les reconstructions qui est l'intervention qui est la plus lourde en fait pour les patients, et après c'est quelque chose qui est moins lourd, et si c'est possible toujours, ça permet d'anticiper des aménagements de tissu mou, et on connaît l'importance aujourd'hui de la qualité, de la quantité de tissu mou qu'on a autour de nos implants et de l'épaisseur des tissus périimplantaires que l'on va pouvoir ensuite bien manager avec une forme prothétique adéquate pour obtenir des résultats à la fois esthétiques et pérennes. Ça nécessite une rigueur chirurgicale qui est identique à peu près à celle
que l'on réalise lorsqu'on fait de la reconstruction, par exemple, sur des sites cicatrisés. Ça nécessite de respecter tout autant que les reconstructions osseuses sur ces cicatrisés les règles du PASS. Hein. Donc, c'est pour ça que la gestion de la phase de temporisation par un bridge de type Maryland, quelque chose de fixe, permet une gestion biologique. Ça vient venir refermer complètement l'espace de régénération et donc permettre que les choses se passent bien. Voilà. Donc, c'est un petit peu le message que je voulais faire passer aujourd'hui. J'en ai terminé. Je te remercie, Jérôme, et je vous remercie tous pour votre attention. Et maintenant, j'attends vos questions avec plaisir. Voilà. On peut le dire, je pense. Pardon, il y a mon micro qui a été... J'ai oublié de remettre mon micro. Je voulais vraiment te remercier d'abord de cette grille de cas cliniques bien bibliographiée. Oui, donc tu me disais que le terme bibliographie pouvait se dire. Il y a pas mal de questions qui ont été posées. Moi, j'en ai d'abord une au début sur ton premier cas. Oui. C'est que... finalement, j'ai l'impression que peut-être la mise en charge immédiate, finalement, n'a pas l'air de trop te plaire, malgré l'article de Buser dans les sous-types de type 3. On a l'impression que tu préfères plutôt mieux aménager les tissus mous, mieux aménager les tissus durs ensuite, plutôt que d'envisager des implants, parce que parfois on a des ancrages qui peuvent être quand même intéressants. Mais on a l'impression que je préfère plutôt reporter la pose de l'implant le plus tard. La pose en profondeur, tu veux dire ? Pas forcément. Alors, dans la situation 1, c'est une situation qui aurait tout à fait pu être mise en esthétique immédiate. Hein. C'est, ça n'a pas été réalisé, mais la plupart du temps, c'est quelque chose qui est réalisé. On sait que la réalisation d'une bonne prothèse provisoire transvissée en extraction, implantation immédiate, lorsque le profil d'émergence est bien réalisé, permet de soutenir les tissus, de soutenir les papilles. Il y a eu beaucoup de webinars sur le sujet d'ailleurs, quand on regarde tout ce que peut dire Van Duren sur le sujet ou autre, ou comme ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, moi, je trouve qu'on a également de très bons résultats en temporisant. Moi, j'aime bien, en fait, prévoir un Maryland au cas où il n'y ait pas de possibilité de faire de mise en esthétique immédiate chez les patients. Et je ne suis pas hyper fan, en réalité, des réalisations des provisoires transvissés en extraction implantation immédiate lorsqu'il faut rebaser la résine soi-même. Moi, j'ai une activité qui est plus... je suis parodontiste et si je peux éviter au maximum de manipuler la résine ou de sculpter moi-même les profils d'émergence, alors l'idéal, c'est d'avoir un laboratoire au cabinet à qui on fait faire extemporané une mise en esthétique immédiate et donc on visse la dent et éventuellement on peut faire des points suspendus même dessus. Mais si je peux le faire, je le fais et j'essaye de réfléchir là actuellement sur un process justement avec la mise en place de la numérisation et les empreintes optiques, etc. pour bien faire une empreinte en fin d'intervention et permettre de m'éviter de faire avec un tape shell la provisoire, mais faire en sorte que ça aille le plus rapidement possible après l'intervention et qu'on puisse mettre une provisoire transvissée à la fin d'intervention. Et je pense que c'est quelque chose qui est important, effectivement. Le thème shell, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est la coque de chez Nobel que l'on peut rebaser assez facilement sur un implant là, en immédiat. Mais c'est vrai qu'avec le numérique, oui, tu pourras plus facilement gérer ça, et surtout le profil d'émergence dès l'intervention, en fait. Alors moi, j'ai trouvé très intéressant ce que disait aussi Renaud Noiret ou Van Duren sur le fait d'avoir au départ le profil de la dent, soit en numérique, soit dans certains cas où on peut faire effectivement extraire la dent, la mettre dans l'empreinte et puis couler autour pour qu'on ait directement le profil d'émergence parfait de la dent. Enfin, il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est très, très important de bien réaliser les profils d'émergence lorsque l'on fait une extraction, une mise en esthétique immédiate. Et
c'est vraiment, je pense, un élément clé de la réussite de la mise en esthétique immédiate. Autrement, effectivement, moi, ce que j'ai plutôt montré là, c'était épaissir vraiment bien les tissus et ensuite demander au laboratoire de faire une forme de profil idéal et on vient en pushing recréer ce profil. Et comme on a des tissus qui sont suffisamment épais, ça le supporte et ça permet d'avoir des résultats tout à fait esthétiques. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Il y avait une question aussi moi que je posais, c'est que d'abord vraiment les même si on t'as plus de profils, on voit plus de lignes de sourire assez basses sur tes cas. C'est comme le maintien de tes papilles en tout cas est assez impressionnant. Est-ce que tu arrives à suivre toi spécialiste donc avec tes correspondants, est-ce que tu arrives à suivre le niveau des papilles comme ça sur plusieurs années? Est-ce que tu arrives à avoir vraiment un bon maintien, surtout sur la papille, je voyais, entre ta 11 et ta 21. Est-ce que tu arrives à suivre cela? Alors, et comment réintervenir même d'ailleurs si, en cas de souci? Alors, j'essaye effectivement, dans la mesure du possible, de bien donner toutes les... Enfin, déjà que le patient aille voir son praticien traitant avec les provisoires et des profils qui ont déjà été réalisés par les provisoires, ça c'est important, et de ne pas lui donner un profil, enfin, un patient avec une liste de cicatrisation, parce que c'est important que l'on comprenne bien la forme des profils qui doivent être réalisés. Effectivement, si les prothèses d'usage sont bien réalisées selon les profils qui ont été réalisés avec les provisoires, on peut avoir une amélioration encore au fil des années des papilles qui s'effilent de plus en plus et quelque chose qui est tout à fait sympathique. Ça vient aussi du fait que les tissus ont été suffisamment épaissis à la base et donc on a quelque chose qui peut se faire dans ce sens. Et si jamais on a une perte de papilles, il y a des techniques aujourd'hui avec des micro-lames par tunnelisation sous la papille. On vient glisser un petit greffon tubérositaire bien plugué sous la papille. On arrive avec des interventions assez... Enfin, très minutieuse, mais assez peu lourde, à venir par des libérations en technique de tunnelisation de la papille, recréer ces papilles si jamais elles sont perdues. Ce sont des choses qui fonctionnent, effectivement. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Les papilles sont vraiment ce qui est le plus compliqué. Et c'est pour ça que ma réflexion dans ce que j'ai montré dans ce webinaire, c'est faire en sorte de ne pas les perdre. C'est pendant toute la période, c'est éviter de perdre ça. Il y a plusieurs questions. J'essaie de ne pas trop les mettre dans le désordre. Une, c'est que oui, tu n'as pas parlé du positionnement idéal en profondeur de tes implants dans les extractions de l'option immédiate. Quels sont tes critères de décision, surtout quand tu as, enfin, dans un S2 limite S3? Alors, globalement, je me positionne bien 4 mm sous le niveau, du collet idéal. Si tu étais dans un S1, justement, comment tu anticipes? Est-ce que tu restes sous tes 4 mm? C'est-à-dire, est-ce que tu mets ton implant bien sous cristal pour anticiper, justement, la perte osseuse, la résorption osseuse? Quand on regarde les dernières réflexions sur le sujet, que l'on soit en extraction en implantation immédiate ou sur des sites cicatrisés, pour avoir une stabilité osseuse la meilleure possible, il est conseillé d'enfouir un petit peu plus l'implant que ce qu'on... Avant, c'était plutôt 3 mm sous le niveau du collet. Moi, je pense qu'à 4 mm, on est bien. Et voilà, c'est plus un problème, je pense, aujourd'hui, de ne pas enfouir suffisamment son implant parce qu'on n'aura pas suffisamment de tissu, plus que de l'enfouir un petit peu plus. Donc, effectivement, j'ai plutôt tendance à l'enfouir un petit peu plus, à aller bien 4 mm sous le niveau osseux, et après de bien gérer le profil d'émergence avec un profil qui est d'abord le plus fin possible, et puis après faire vraiment quelque chose de plus anatomique possible pour venir pousser les tissus mous qui doivent être absolument épaissis. Enfin, moi, dans le secteur antérieur, ça ne m'arrive jamais de ne pas faire de greffe conjonctive, parce que je veux vraiment avoir des tissus qui supportent justement le fait d'être sculptés ensuite pour recréer des papilles. Voilà. Mais c'est vrai que l'enfouissement de l'implant, c'est un élément important. Il ne faut pas sous-enfouir son implant. Je pense que c'est plus grave de sous-enfouir son implant que de le sur-enfouir, mais il ne faut pas non plus aller 5-6 mm. Oui, ça n'a pas de sens. En tout cas, le conjonctif pour toi, c'est le conjonctif enfoui, c'est systématique. Tu n'as pas peur de surcorriger Devant, oui, sauf vraiment biotype EP, extraction implantation immédiate chez un patient avec des dents carrées,
un peu IPP, etc. Je pense qu'un comblement de gap avec une dual zone tout à fait bien réalisée, ça peut tout à fait s'entendre. Mais malheureusement, ce n'est pas la majorité des cas. Et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à épaissir un petit peu plus. Alors, auparavant, j'essaye aujourd'hui de limiter l'épaisseur des greffons, mais de prendre de plus en plus des greffons au niveau de la tubérosité ou superficielle, de façon à avoir vraiment la lamine appropriée la plus dense possible, avoir quelque chose qui est le plus qualitatif possible. Ça ne sert à rien de prendre forcément des greffons trop épais. Parfois, ça m'est arrivé de prendre des greffons qui sont un petit peu trop épais, mais ça n'a pas trop de sens. C'est plus la qualité du greffon. Et avec des greffons assez superficiels ou tubérositaires, on va avoir de toute façon une augmentation dans le temps et même une petite kératinisation qui va se faire. On va avoir un gain de gencive kératinisé parce qu'il y a certaines cellules qui vont le permettre. Et donc, on n'a pas forcément besoin de prendre un volume trop important. Mais oui, je greffe quasiment systématiquement, et ça depuis la quinzaine d'années que j'ai fait mon DU, j'ai été élevé à la greffe conjonctive et je continue. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très important. Quelque chose qui n'existe pas depuis 15 ans, oui, c'est la question qui a été posée. Tiens, c'est pourquoi tu associes deux types de fils de suture, tu utilises du monofilament et du téflon. Alors, j'utilise dans autant que je peux le prolène 6-0. Quand il y a de la reconstruction osseuse, des régénérations osseuses guidées, mes plans profonds, je les fais plutôt avec du prolène, avec du PTFE, parce que c'est une suture qui permet d'être au niveau du serrage, qui est plus simple à gérer que le prolène. Donc, pour les premiers points, pour les plans profonds avec des points en U, j'ai plutôt tendance à utiliser du PTFE, bien que j'ai dernièrement fait des cas avec que du prolène, mais autrement, j'essaye de systématiser le prolène 6-0 quasiment pour tout. Et c'est vrai que c'est un point, enfin c'est un fil qui 15 jours après, il n'y a pas de plaque dessus. Bon, je donne, c'est magique. Hein. Ah non, c'est un fil qui est merveilleux. Je donne à mes patients, enfin je les oblige à passer de l'élugel plusieurs fois par jour avec une brosse 6,5 centième, etc. Et je pense que j'ai pas mal de cas, malheureusement, chez qui je n'ai pas pu déposer les sutures là, depuis le confinement. Quasiment tous, c'est du prolène. Certains que j'ai dû voir parce que ça les gênait, même un mois et demi après, il n'y avait pas de plaque, c'était nickel, ça n'a pas bougé, c'est extrêmement biocompatible, ça se passe très bien. Et c'est un point sur tes photos, on pourrait, je ne sais pas si on peut essayer de les revoir, mais sur tes photos, tu as vraiment des très bonnes longueurs de fil, parce que ça peut être blessant pour les patients. Donc faut surtout pas que ce soit c'est disgracieux s'ils sont trop longs, mais trop courts, ils sont blessants. Là, par exemple, ici. Je m'en mets dessus. Voilà. Là, voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Si, tout le monde voit bien. Non, ça, voilà. C'est vraiment la bonne longueur. Hein. C'est vraiment de la bonne longueur. Question aussi là sur tes lambeaux. Est-ce que tu décolles en palatin pour suturer la membrane? Alors oui, je décolle. Alors soit je décolle, soit je fais une sorte d'enveloppe en fait. Mais oui. La membrane est passée sous le lambeau palatin. Mais si je peux éviter de lever les papilles, dans pas mal de cas, on voit que j'ai préservé les papilles au niveau palatin. Je le fais pour éviter de décoller les papilles en interproximal. Okay. Autre question aussi qui était posée, alors il y a une question matérielle sur les pins. Quel pins tu utilises? J'imagine que c'est les pins de 3 alors, mm qu'on retrouve partout. Là, je vais revenir sur cette photo-là. Hop. Pour les reconstructions, on va dire verticales avec des membranes cytoplasmes, ce sont des pins ou des vis, ça ce sont les vis Profix qui sont vendues par Osteogenix, des pins. Alors moi je prends depuis une quinzaine d'années, je les achète chez Praxis. Ce sont des pins qui sont un peu plus rigides que ceux de Gateslich par exemple. Alors j'avais essayé au départ, au début c'était ceux d'Endspline, mais alors ils se tordaient, c'était catastrophique. Alors là ce sont ceux de Praxis. Par contre à la mandibule, là c'est différent. J'utilise soit ceux de Praxis, mais beaucoup ceux de Messinger, du kit de Isvan Urban. Lorsque je suis allé voir Urban, tout de suite, j'ai pris ces pins-là, parce que ce sont des pins qui sont utiles, j'ai envie de dire, que à la mandibule, mais qui ne se tordent jamais et qu'on peut placer même en étant un petit peu oblique. On n'est pas obligé d'être perpendiculaire.
Voilà, donc grosso modo, j'ai deux types de pins, ceux de Praxis, ceux de Messinger pour le kit d'Urban, et des kits de vis également, ce sont des vis Profix, qui sont, c'est Osteogenics qui les commercialise. Est-ce que, quand c'est des pins, bon là, des vis, oui, bien sûr, dans ces cas-là, dans les S3, mais sinon, ouais, reconstruction, mais sinon, est-ce que systématiquement, finalement, tu laisses les pins en place pour éviter Oui, d'avoir, alors, de perdre non. finalement tout le bénéfice esthétique? Absolument. C'est-à-dire que lorsque on est avec des membranes cytoplastes, il faut aller tout chercher, bien entendu, parce que pour déposer la membrane, il faut éliminer tous les moyens de fixation. Par contre, lorsque je suis sur des saucages techniques ou sur les cas que j'ai montrés, je laisse les pins. Alors, si ce sont des pins qui sont sur la zone, lorsque je mets l'implant, comme ça, bien sûr, ils sont déposés, mais les pins les plus apicaux, ils sont éliminés. Ils sont laissés, je veux dire. Ils sont laissés. Et ça ne pose absolument aucun problème. Je n'ai jamais eu un problème avec des pins laissés, jamais. Jamais de. Enfin, le problème, c'est jamais, qu'ils puissent simplement ressortir. Non, enfin, c'est. Alors, ce qui peut arriver, c'est à la mandibule, en linguale, lorsque les tissus sont très fins, mais dans ces cas-là, au moment où je mets les implants, je vais les enlever. Parfois, on les voit par transparence, mais c'est surtout à la mandibule en linguale qu'on peut les voir par transparence. Mais en général, les patients reviennent en cours de cicatrisation. Docteur, je crois que j'ai un problème, etc. J'ai quelque chose que je sens. Je leur dis, ça doit être le pin. Je regarde, et puis c'est le pin qu'on voit qui grille. Bien sûr, celui-ci, ceux que l'on voit par transparence, ils sont éliminés. Hein, ça, c'est... Mais la plupart du temps, au maxillaire, c'est dans les tissus, ça ne pose absolument aucun problème. Et des années après, voilà, enfin, il y a les pins toujours présents. Sur ce cas-là, en bas, là, ils sont restés, hein, les pins. Hein. Enfin, ça ne pose aucun problème. Deux questions de biomat. S'il y avait d'abord l'utilisation, c'est dans ton premier cas ou le second, je ne sais plus, on voyait donc ton cas avec une incisive centrale qui n'était pas remplacée, donc tu avais réalisé un bridge. Est-ce qu'on a un recul sur le maintien du niveau osseux sous le pontique, en l'absence d'implant, bien sûr? Et peut-être, est-ce que tu peux rappeler ce que tu fais dans l'alvéole? Est-ce qu'il faut systématiquement mettre quelque chose ou pas? Quand on est en préservation alvéolaire en secteur antérieur, donc je pense que c'est de ce cas-là dont il s'agit. Ici, il n'y a pas eu d'implant. Là, c'est une xénographie, c'est du BIOS qui a été utilisé. Alors là, c'était le matériau qu'avait mis le confrère en urgence, qui a été éliminé. Mais absolument, la zone centrale ici a été comblée avec du BIOS. Bon, là, on voit qu'on a la greffe et puis après, ça vient être refermé par le pontique. Et on a une stabilité qui est vraiment tout à fait bonne. Alors, j'avais regardé le webinar de Jean-Pierre Gardella sur les préservations alvéolaires avec des allogreffes. Ça semble très séduisant au niveau préservation alvéolaire pour les allogreffes particulières, parce qu'on peut, semble-t-il, avec l'expérience que Jean-Pierre Gardella a, réintervenir plus tôt et avec un os qui est plutôt un os qui ressemble effectivement à du tissu osseux natif. Lorsque l'on doit implanter après des préservations alvéolaires, lorsque du BIOS est mis en place, il vaut mieux attendre 6 mois pour avoir quelque chose qui soit bien qualitatif. Alors après, c'est ce qui a été réalisé pour le cas suivant. Après, ce sont des patients, lorsqu'ils ont des temporisations avec des Maryland, qui sont fixes et qui sont esthétiques, ça ne leur pose pas de problème d'attendre 2 mois supplémentaires. Bon, et puis avec les délais qu'on peut avoir parfois au niveau du cabinet, c'est pas un problème d'attendre un petit peu plus aussi. Mais voilà, globalement, moi, je n'ai pas de recul sur les allogreffes. Je pense que sur un site à implanter, ça peut être quelque chose de tout à fait sympathique. Maintenant, effectivement, je ne suis pas du genre à essayer tout un tas de choses. Et j'ai des protocoles qui fonctionnent bien effectivement avec les xénogreffes et avec le BIOS, et je n'utilise quasiment que ce substitut osseux-là, plus l'os autogène que j'aime particulièrement également lorsqu'il y a de la régénération osseuse à réaliser. Je me suis un peu étendu. Sur les allogreffes, il y a Georges Couré qui pourra nous en dire, qui pourra nous conter toute sa meilleure expérience. Sur l'autogène, il y a pas mal de questions là sur l'autogène. C'était d'abord sur
Est-ce que tu peux rappeler le matériel que tu utilises pour scraper, Oui. pour recueillir l'os? Alors, j'ai deux types de scrapers, essentiellement. Il y a le safe scraper qui est relativement large. Alors, on le voyait sur certains clichés, enfin, sur certaines photos. Je vais descendre pour illustrer. C'est Meta qui fait ça. Alors, on le trouve chez Praxis, chez son outil Pharma ou comme ça. Voilà, on le voit ici. Sur le cas où j'avais très peu ouvert, c'est-à-dire celui-ci, hop, alors là je ne l'ai pas en photo, mais c'est le Micros, c'est-à-dire c'est Meta également qui fait ça, mais c'est plus la forme d'un stylo, il est cylindrique et ça permet de faire des prélèvements qui sont enfin, sur des surfaces beaucoup plus réduites. Voilà. Et on peut prendre ce qu'il faut pour, on va dire, par exemple, une dent unitaire ou comme ça. Alors, quand il y a des grosses reconstructions osseuses à faire, je vais prélever à la ligne oblique externe des surfaces qui sont plus importantes. Mais souvent, dans les cas que j'ai montrés, c'est souvent sur site en apical ou à l'épine nasale ou comme ça, qu'on va scraper et on trouve ce qu'il faut hein, en apical des sites. Ça évite de faire un deuxième site. Une dernière question matérielle, après on repasse à la clinique, c'était où est-ce que. Alors qu'est-ce qu'il y avait une question, je la retrouve plus, je la retrouve plus, je la retrouve plus, c'est pas grave, je vais la retrouver plus tard. Oui, c'était à propos de tes membranes. Oui. Ta membrane, donc là tu utilises Cytoplace, est-ce que tu n'as pas de difficulté à la déposer? Alors, non. Alors, ça peut être un petit peu quand on la dépose, elle peut se déchirer un tout petit peu, avec un effet un petit peu comme le fil de suture en PTFE, un petit peu chewing-gum ou comme ça. Mais globalement, ça se dépose très bien. Alors, j'ai beaucoup plus d'expérience avec ce type de membrane qu'avec les grilles titane ou comme ça, pour lesquels il y a plus d'encapsulage et donc plus compliqué à déposer, mais avec les membranes Cytoplace, non, il n'y a pas de problème. Alors, c'est vraiment des membranes que j'affectionne pour les reconstructions tridimensionnelles, mais ça demande une ouverture quasiment aussi importante pour la déposer que pour la mettre. Voilà. Mais ça se dépose assez facilement. Après, il faut bien entendu préalablement déposer tous les pins et déposer toutes les vis pour pouvoir les éliminer. Ça, c'est J'ai retrouvé la dernière question au matériel. C'était quelle est la nature de quel est le quel est ton choix de micro-lames pour la tunisation? Alors, moi, j'utilise depuis, on va dire, un an et demi, de plus en plus d'ailleurs, la micro-lame Viper de MJK qu'avait développé Benjamin Cortas. Mais j'ai été, il y a une quinzaine d'années, élevé par Daniel Etienne lorsque j'ai fait mon diplôme universitaire. Et quand on faisait le diplôme universitaire, accroche-toi, on faisait nos tunnels avec des lames 15C. Et on faisait la tunnelisation à la sonde parodontale et puis après à la Guret de Grasset. Donc j'ai été habitué en fait à la dure, on va dire. Non, ce que j'utilise le plus aujourd'hui, ça va être cette lame-là, donc la Viper, mais également des instruments de tunnelisation. Alors c'est chez Youfredi, j'ai pas les références en tête, mais c'est des instruments qui avaient été développés par Markus Jürgenzeller, qui sont peu travaillants, mais qui permettent de faire une tunnelisation vestibulaire. Et moi, ce que j'apprécie pas mal aussi, c'est d'aller soulever sous les papilles, parce que lorsque je fais des tunnels, je vais soulever sous les papilles avec des mini-fives, c'est des micro-curettes, pour aller. Voilà. Mais c'est des instruments qui sont le plus fin possible. Et pour ce qui est des lames, c'est essentiellement 15C et la lame Viper. Voilà. Ok. Après, Je je reviens sur le sais. site. J'ai Oui. vu des webinars très intéressants, notamment de Gustavo Giordani sur le sujet, et je vais essayer les micro-lames ophtalmiques aussi, parce que visiblement, il y a des choses assez intéressantes là-dedans. Est-ce que tu connaîtrais la prévalence, on revient dessus, l'exposition des membranes cytoplastes? Alors, si l'on regarde un petit peu la littérature, je crois qu'on est aux alentours de 20%. Alors après, moi, lorsque je suis allé voire Urban, il a parfaitement expliqué la marche à suivre pour éviter ça, et surtout les différentes
type de problématique que l'on pourrait avoir avec d'éventuelles expositions au niveau de la membrane cytoplaste. Moi, je n'ai jamais eu d'infection lourde au niveau des cytoplastes, j'en ai pas mal utilisé. J'ai eu quelques cas où il y a eu ce qu'il appelle des low-grade infections. Ce sont des problématiques des infections qui sont peu importantes. Il n'y a pas d'abcès ou il n'y a pas de suppuration, mais on a une petite exposition et là il faut essayer de la faire durer pendant minimum 2 mois voire 3 mois et ensuite on la dépose et on élimine un petit peu la spin layer, on referme éventuellement un petit peu de doxycycline pour éliminer d'éventuelles contaminations bactériennes et puis ensuite on referme et à 9 mois lorsqu'on réintervient on a quelque chose qui est tout à fait bon, mais c'est vraiment très très important de parfaitement gérer tout ce qui est libération tissulaire. Moi, je libère énormément, mais pas en donnant des coups de lame. C'est vraiment en respectant tout ce qui est tout ce qui a été décrit dans la littérature ou tout ce que Urban a pu décrire sur les différentes zones pour faire des libérations tissulaires qui sont les meilleures possibles et les moins traumatiques possibles pour les patients. Ça sert à rien de donner 50 coups de lame. Alors moi, j'ai pas d'expérience sur le soft brushing dont on entend parler beaucoup actuellement, mais j'applique vraiment de la lame. Tu fais avec le revers de la lame. Urban, c'est le revers de la lame. Hein. Alors c'est lorsque l'on est en vestibulaire, c'est un trait d'incision relativement superficiel et après c'est avec un instrument qui ressemble un petit peu à un décolleur mais un petit peu coudé. Qu'on va augmenter, on passe d'un trait d'incision qui est fin à quelque chose qui sera beaucoup plus large comme ça, et superficiellement, on va libérer comme ça. Et après, en lingual, il y a différentes zones, on va décoller au-dessus du milioïdien, tunéliser derrière, et puis devant, effectivement, avec le dos de la lame, on va venir disséquer pour ne pas couper les structures anatomiques qui pourraient passer à ce niveau-là. On arrive à des libérations tout à fait bonnes, et vraiment, j'insistais tout à l'heure sur la libération et sur la passivité tissulaire qui crée après des problématiques de perte de gencives attachées, kératinisées suite à ces libérations. Mais si je me rends compte que je ne peux pas refermer berge à berge sur au moins 8 mm, je vais relibérer. Parce que si on est comme ça, là, on s'expose à une libération, à une réouverture et puis à des complications. Ça, c'est certain. Les techniques avec les membranes cytoplastes, ça ne supporte pas à peu près. Il faut que ce soit... voilà. Deux dernières questions avant de rendre l'antenne. La première, elle concerne. Il y a pas mal de questions sur ton Maryland. Est-ce que c'est toi qui le gères ? Enfin, est-ce que la dépose du Maryland et la repose du Maryland post-opératoire, c'est toi qui la gères ou c'est ton correspondant ? Alors, en général, c'est plutôt moi. Mais si ça peut être le correspondant, j'en serais ravi. Je ne suis absolument pas, encore une fois, je ne fais pas de prosto, mis à part la partie provisoire, les mises en esthétique immédiate ou les choses comme ça, ou les mises en charge immédiate. Et je n'ai pas de matériel de collage. J'ai vraiment une activité qui est chirurgicale et chirurgicale. Et j'ai trouvé, encore une fois, son temporisation avec des Maryland. En réalité, je les scelle avec du Fujisem. Et ça permet de les faire tenir pendant 6 mois. Sans problème et les déposer facilement. Surtout si j'ai des confrères qui doivent les coller eux-mêmes, je leur dis surtout d'éviter tout ce qui est Rela-X ou comme ça qui risque de fuser en plus parce que c'est relativement fluide. Et s'ils utilisent des produits plus importants comme du Panavia ou autre, de vraiment mettre un petit point pour que ce soit facilement déposable après. Parce que si parfois ils sont tellement bien ajustés que c'est hors de question de taper comme un sourd pendant 3 ans. Sans adhésif, sans etching, parce que sinon c'est... Il faut que ce soit facilement déposable. Voilà. Parce qu'ils seront enlevés, parfois remis, re-enlevés. Et moi, j'ai trouvé ce compromis-là. Et c'est vrai que j'ai très, très peu de décollement, mais ça peut arriver. Hein, ça peut arriver. Mais je préfère ne pas avoir à taper comme un sourd pour enlever quelque chose qui est trop collé. Ok. Dernière chose, est-ce que tu as des complications lors des OG? Quelles sont tes complications plutôt les plus fréquentes? Alors, avec les sausages techniques, globalement, non, si la situation est vraiment bien, si l'intervention est bien maîtrisée, si on sait exactement ce qu'on fait.
Par contre, il peut effectivement y avoir des complications et plutôt de. C'est encore une fois, pas plus de 20% des cas, mais avec les membranes cytoplasmes, on peut avoir des petites réouvertures ou des choses comme ça qui peuvent arriver, en général, qui sont gérées. Il faut revoir les patients, le faire durer pendant 2-3 mois, mais c'est relativement rare. Donc, franchement, c'est des techniques qui sont safe à partir du moment où elles sont bien réalisées. Voilà. Et je préfère, en fait, je ne suis pas, c'est toujours pareil, hein, pas du genre à utiliser toutes les techniques et avoir tout un tas aujourd'hui, on sait que les techniques de reconstruction osseuse permettent d'obtenir avec différentes techniques des résultats qui sont à peu près similaires. Et c'était d'ailleurs plus ou moins l'objet du webinaire que j'avais fait avec mes confrères Aurélien Toulot, Gaël Millot et Mathias Reznik il y a une quinzaine de jours. Donc, il vaut mieux bien maîtriser une technique et l'appliquer de façon hyper carrée et de ne pas avoir de complications ou très très peu, plutôt que d'essayer de faire tout un tas de choses et d'avoir des complications à chaque fois. Moi, je suis plutôt dans la première vision. On peut le revoir sur Workflow, je crois, ou c'est sur... Ouais, alors on peut le revoir sur ma page Facebook, sur celle d'Aurélien Tolo également, facilement. Voilà. Je suis désolé, il y a beaucoup de questions, mais on va devoir vraiment rendre l'antenne. Sinon, pour celles qui restent, tu peux toujours vite revenir sur la page Facebook des Bécédents et puis répondre soit en privé, soit directement sur la page des commentaires. Merci, merci à tous. Pour rappel, on se revoit jeudi pour une conférence sur les malocclusions avec Romain Despapé et Julien Cam, qui est kinésithérapeute. Et ce duo va être vraiment très, très intéressant. Et la semaine prochaine, nous avons également deux webinaires avant la reprise. Un avec Romain Senos de la biotine. Donc là, on fait une petite pause sur la chirurgie et puis on va aller un petit peu sur les collages. Et nous avons jeudi, allez, on retourne dans la chire, jeudi, une conférence sur l'implantologie céramique avec Samine Noubissi. Ensuite, on fera une petite pause. On avait un très 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 gros programme bien chargé avec encore une quinzaine, tous n'ont pas été annoncés, de webinaires, mais ils vont être reprogrammés pour qu'on puisse reprendre sereinement la rentrée professionnelle. Merci Olivier, porte-toi bien, portez-vous merci tous à toi bien également. Et puis merci à très bientôt. À bientôt.